Bonjour, bienvenue sur motorboat.com. Nous sommes avec Antoine Brugidou, le fondateur du chantier Iguana Yacht. Si vous vous souvenez, au Nautique, il y avait une maquette de l'Iguana 29. Nous sommes à bord. Antoine, est-ce que vous pouvez nous présenter cet étonnant bateau ? Oui, alors volontiers. Donc, c'est un bateau qui est né dans les îles anglo-normandes. C'est là où je navigue depuis une trentaine d'années. C'est une zone dans laquelle il y a des très fortes marées. Il y a une mer qui n'est pas toujours très facile avec beaucoup de courant. Et surtout, il y a très peu de ports. Granville, Carteret, très peu de place au port. Il y a 20 ans ou 30 ans de queue dans ces ports. Et donc, il y a un vrai problème d'accès de mise à l'eau. Donc, c'est une idée qui me travaillait depuis un certain temps. Et c'est un peu comme ça, en essayant de résoudre ce problème et en essayant surtout d'avoir un beau bateau, qu'est né ce projet. Il s'agit d'un concept hybride, terre et mer donc. Voilà, alors en fait ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis adressé à un de mes amis designers et puis on a commencé à travailler pour se dire, est-ce qu'il existe des bateaux qui vont comme ça sur le sable ? On s'est rendu compte qu'en fait il y avait plusieurs centaines de brevets de véhicules dits amphibies, mais très peu ou pas de bateaux qui aillent sur terre. Et la plupart des caractéristiques, la caractéristique des véhicules amphibies, c'est que ce sont de très mauvais bateaux. Ce sont des véhicules qui sont d'abord destinés à rouler et quand ils arrivent sur la mer, il leur reste toujours des roues, des vérins, des trucs qui sortent et ils ont une très mauvaise habitabilité. Donc l'idée était pertinente. D'accord. À qui ça se destine en particulier, la clientèle typique ? Alors il y a, je dirais, chaque jour qui passe, et surtout ici au Salon de Cannes, il y a quelqu'un qui vient avec une nouvelle idée. Mais en priorité, je dirais, pour simplifier, il y a évidemment toutes les personnes qui ont des maisons près des plages et près des côtes et qui ne veulent pas faire les 10-15 km qui les séparent d'un port pour aller accéder à leur place au port, qui n'ont pas une possibilité facile d'avoir un mouillage, si je pense par exemple à la baie d'Arcachon, et qui ont la possibilité avec ce bateau de le mettre dans leur jardin et de descendre à une cale qui peut se trouver à 100, 200, 300, 400 mètres. Éventuellement même à plusieurs kilomètres, puisque l'intérêt de ce bateau, c'est que vous le mettez sur une remorque à plateau, il monte lui-même sur ses chenilles, et puis vous l'emmenez où vous voulez. Comment fonctionne la propulsion marine et terrestre ? Donc, la propulsion marine, c'est un hors-bord. En l'occurrence, là, on a mis un 300 chevaux, il pourrait fonctionner aussi avec un 200 chevaux. Et puis la propulsion terrestre, c'est un petit groupe avec un petit moteur thermique de 40 chevaux et un petit groupe hydraulique qui a l'avantage, je dirais, qui a toutes les caractéristiques de la robustesse des engins de travaux publics. Alors c'est toujours un peu délicat de faire de la pub en disant qu'on a des composants de travaux publics, mais en l'occurrence c'est un peu le cas. Donc on a des chenilles, on a des composants qui font que c'est extrêmement robuste et extrêmement puissant. D'accord. Quelle performance on peut obtenir d'ailleurs avec sur terre et en mer ? Alors sur terre, on a limité la vitesse à 8 km/h pour des raisons, je dirais, de sécurité, parce que quand on a un bateau qui se déplace de 8,60 m dans les cales, dans les ports, c'est quand même dangereux d'aller beaucoup plus vite. Et on a deux vitesses, on a une autre vitesse beaucoup plus faible pour les manœuvres et les manœuvres d'approche. En mer, ce bateau tourne autour de 35-40 nœuds en version de série. Vous avez déjà d'autres projets en tête pour donner suite à l'Iguana 29 ? Alors on a une version, je dirais, Iguana 24 déjà dans les cartons, hein, 7,10 m. Qui aura l'avantage d'être utilisable, je dirais, par un plus grand nombre de personnes. Et puis, on a tout le marché des tenders. Là, on a vu à Cannes beaucoup de capitaines de yachts qui étaient intéressés de pouvoir débarquer leurs propriétaires à pied sec un peu partout dans le monde, à des endroits où il n'y a pas de ponton, il n'y a pas de port, il n'y a rien, il y a juste des plages. Et évidemment, c'est un bateau très adapté. Merci beaucoup. Merci.